incroyable aujourd'hui. Nous avons Rosario qui a long, qui va pardon affronter le joueur de Snake Lyonnais, Chapka, et ça va directement partir. Ça n'a pas le temps ici, ça sera du Snake versus Ike, donc probablement de grandes maps comme potentiellement Battlefield. En tout cas, on est concentré ici pour Chapka. On va aller tranquillement rentrer dans sa zone de confort, et ici le Lyon va devoir récupérer cette game. C'est parti pour la première game. Bon, du coup, je te laisse regarder le magnifique tag de Rosario. Ah, voilà, oh là, c'est là, ça, cher. Franchement, t'as qu'à dire ça. Vas-y, vas-y, mon pote, y'a pas de soucis, mon pote. Mais tu vas prendre les bonnes phases de la part de Snake, ok. Ici, directement la grenade qui va placer. Malheureusement, le bac arrive ici, qui va repousser. Ici, on est à 69-66, qui est plutôt une game super serrée. Mais là, va falloir faire attention pour Chapka si on a pas envie de se faire prendre cette première stack rapidement. Il faut pas perdre la stock rapidement, parce qu'en plus, Ike, ça a énormément d'énormes, comme tous les persos en soi finalement, qui ont énormément de quoi faire et de pas, qui permettent à l'adversaire de pas s'approcher. Et il se prend cet énorme dash attach qui va permettre justement de prendre un léger gap. 89%, il a de quoi vivre, hein. Ike, c'est assez lourd comme personnage. Clairement, en plus, clairement, on est à 102% ici en plus. Oh, il s'est pris le timing, la dash attack, c'est dégueulasse. C'est clair, on est à 27% ici, on va prendre continuellement un peu de grattage, mais il va falloir faire attention ici, Chapka qui essaie peut-être un peu trop de se précipiter. Voilà, dash attack, ça a été bien utilisé de la part de Chapka. Malheureusement, on est allé se faire choper ici et on va aller taper dans sa propre grenade. Il va falloir essayer de patienter, voilà, essayer de jouer un peu plus sur l'évasion, sur la personnage évasif. Ok, ici le nerf qui n'a pas touché, on va aller chercher ce FB tranquillement pour être safe de la part de Rosario. Attention quand même à cette petite guitare, et on va se faire toucher ici. Il n'y a plus de saut, attention, est-ce que ça va mourir? Très bonne C4, et du coup ça va malheureusement pas du tout connecter. Aïe, en plus on se fait punir là-dessus. Backer, c'est très bien fait de la part de Rosario qui est en train de récupérer une avance terrible. Ouais, il a pris énormément de dégâts, il a pris énormément de dégâts, Chapka, et du coup ça va le desservir. Il faut pas mourir, il faut vraiment faire un énorme effort pour remettre son adversaire à autant de dégâts que lui a subi du côté de Chapka. Et là il y arrive potentiellement, il a mis deux dash attaques, mais c'est pas assez, il y a quelques grenades. Je sais pas où est le C4 actuellement, s'il est posé ou pas. Voilà, il va aller le poser directement. Malheureusement, il va se faire repousser, et du coup on est en phase de juggle ici. Attention quand même à cette plateforme, la grenade qui a été placée, et malheureusement c'est le nerf qui va réussir à toucher ici. Gros versus supérieur à Saint-Etienne, ce qui est faux, hein, bien sûr, va réussir complètement à avoir le lead ici, va se faire repousser ici par ce petit. Et par contre, aïe aïe aïe, le trade qui est pas très bon pour Chapka ici, qui va perdre sa stock. C'est assez malheureux, on est à 85% de la part du joueur de Ike ici. On va aller trouver ce nerf, le deuxième nerf qui a été placé avec le magnifique down throw ici. On va aller essayer de gratter les pourcents un maximum face à ce snake avant qu'il puisse récupérer cette stock, parce que ça serait terrible. Aïe aïe, c'est lourd Ike, et du coup ça va forcément pas mourir après cette up tilt. On a bien paré ce nerf, il faut s'en sortir pour Chapka, il faut vite tuer, mais on l'a vu que dans ces phases d'avantage c'est compliqué pour le joueur lyonnais. C'est plutôt Rosario qui arrive à trouver les phases ici. Aïe aïe aïe, le F-Smash qui court, qui va réussir à toucher ici, et on va se faire repousser alors que on est dans une game plutôt avantagée pour Rosario, pardon. Pour l'instant c'est bien à l'avantage du joueur de Grenoble. Attention, la repousser, et cette fois on arrive à prendre le kill. Très bien fait de la part de Chapka ici, qui est à 56%, qui va essayer de gratter ici. Ah, y'a plus de sang. Oh là là, c'est dommage, ce fer qui aurait pu toucher en tout frame là, ça aurait été consécration pour Chapka. Malheureusement on va se prendre ce F-Smash qui court, et du coup ça va être un peu compliqué. L'air dodge qui a été touché quand même. Très bonne grenade pour aller replacer. Bien trouvé de la part de Chapka, qui va continuer sa phase ici. Dash attack, ça n'a pas été placé. Magnifique shield de la part de Chapka ici pour aller bien counter le F-Tilt. Attention quand même, on est quand même sur une phase de neutral ici assez tendue, avec la grenade qui va réussir à toucher. Attention, Chapka qui pourrait clairement faire le clutch ici. Attention quand même à cette phase de juggle. Ah là 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 là, ça a oublié. Ah là là, c'est bien vu quand même. Il allait chercher cette paire, c'était compliqué pour Rosario. Il était en train de se faire totalement remonter, lui qui avait une belle phase d'avantage depuis la première stock, hein. Dès le début il a bien pris l'avantage, il a failli se faire rattraper de bout en bout, mais c'est Rosario qui a pris la première game. On va pouvoir repartir bien rapidement. On était sur PS2 tout à l'heure, je pense pas que ça puisse changer, hein, de toute manière. Je sais pas trop, en tout cas ce que je vois c'est que Chapka il fait non dans la tête. Il trouve qu'il a pas joué au meilleur de sa forme, et je suis assez d'accord. Il a eu beaucoup de phases d'hésitation, de phases où il valait utiliser des techniques qu'il connaît par cœur, entre guillemets, où il allait un peu autopilote, et du coup il va falloir aller chercher un peu ses phases en jouant le setplay, en réfléchissant quand il joue. Attention, le neutral, voilà, rester bien patient sur deux nerfs différents, puis après aller
essayer d'enlever le down air. Voilà, c'est ça, être un peu plus patient. Malheureusement, là, ça va se faire encore une fois punir. Et en plus, ce up smash qui commence à être très très fort. Attention, par contre, on n'a plus de saut, plus d'air dodge. On va se faire repousser. Oh, le back air qui n'est pas passé, malheureusement, alors que c'était quasiment la mort. Chapka qui aurait clairement pu aller prendre la stock d'une manière décisive ici. Attention quand même, 75%. Attention. Ouais. Ouais, ouais, attention, parce que là il s'est fait gratter, il s'est fait beaucoup plus gratter que tout à l'heure, Rosario. On va essayer de revenir pour Chapka, ça se passe bien. Oh, bien vu. Cypher qui a touché. Ça va bien permettre à Chapka de revenir sur le terrain et peut-être même d'aller prendre une petite phase d'avantage. En termes de positionnement, c'est pour lui. Oh, on est revenu en neutral, il s'est bien posé sur le sol, Rosario. Oh, il n'y avait pas autre chose. Non, il aurait dû grab, il aurait pu clairement punir avec plein d'autres choses, mais malheureusement, il a tenté le up tilt. C'est malheureusement pas passé ici. Le nerf qui est très bien fait de la part de Rosario qui va réussir à trouver ce kill. Oh là 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 là, alors que la DI était bonne. C'est terrible pour Chapka ici qui essaie de placer son C4, malheureusement, qui va pas réussir à le placer. Et du coup, on a 134% pour Rosario qui va continuer à gratter un peu de pourcentage ici. Attention, par contre, on s'est pris cette grenade et ça aurait pu être la consécration pour Chapka. C'est terrible qu'il n'ait pas réussi à repris la ici, là. Aïe aïe aïe. Ça n'a pas touché le dernier hit du down air. C'est malheureux parce que là, Chapka, il faut absolument soit qu'il trouve une phase d'avantage, qu'il emmène Rosario juste en dehors du terrain. Mais là, c'est lui qui se fait emmener en dehors du terrain. Il est en train de se faire punir. On voit des choses. Des air dodge qui se font punir actuellement. Chapka qui est en difficulté. Il se reprend cette B auto shield. Il va pas mourir. Pas comme la dernière fois, mais 169% du côté de Oh là là. Magnifique de la part de Rosario ici qui va réussir à placer ce nerf. On est à 179% et on va continuer à mettre la sauce à son adversaire ici. C'est terrible. Mais par contre, il y a quand même cette Nikita qui va prendre cette stock. Et du coup, si on a envie d'aller choper cette game pour Chapka, c'est maintenant qu'il faut aller réussir à trouver le clutch. C'est maintenant qu'il faut aller réussir à repousser offstage et aller retrouver ce up smash. Peut-être un deuxième up smash. Ici, ça a été trouvé. Il n'y a plus de saut. Oh, malheureusement, cette grenade qui n'a pas réussi à toucher. Par contre, on continue de pousser. Ici, à soir, on est à 69%. On va aller se faire repousser cette phase de ledge trap. Et on arrive encore à trouver les bonnes explosions de la part de Chapka. Ici, dash attack, ça a été trouvé. C'est très bien fait de la part de Chapka ici, qui va rester patient et qui va repartir en phase de neutral. Attention quand même à ce up smash. Attention, oh, c'est très bien fait de la part de Rosario. Et voyez, il suffit d'une phase d'avantage. Ou quand Chapka commence à rentrer dans le cerveau au niveau du ledge, et bah ça part. Actuellement Rosario, il peut être en difficulté, mais heureusement il arrive à revenir sur le terrain. Et là c'est lui qui possède l'avantage, on l'a vu, il a mis un énorme down air tout à l'heure. On arrive à revenir, Chapka qui a essayé de coller un C4, c'est pas passé. Oh là là, on l'a vu. On a vu son adversaire, on a vu cette air dodge, c'est terrible. Oh, on l'avait prédit. Manière magnifique la part de Rosario ici qui allait choper cette game et du coup ce set 2-0 clean, gros supérieur.